Choose your character. Oh, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de 28, me semble-t-il, sur Griftland, un jeu de cartes et tour par tour et tout ça, où on s'amuse bien, franchement, avec Rook, je défonce tout le monde. Alors, dans le dernier épisode, on a continué à avancer dans les marais pour protéger Kalandra, et à Felemo qui est venu nous voir pour dire, eh, c'est pas bien, choisis ton camp, Rook. Et du coup, on a choisi son camp, on a aidé Kalandra à avancer, du coup, on est parti dans vers la cache secrète de Kalandra, mais entre temps il y a Glofriam là qui nous a intercepté, on va dire, et du coup on a dû négocier un peu avec lui, enfin on a fait une mini négociation, c'est en fait c'est pour le blesser dans sa foi, hein, pour qu'après on puisse encore plus lui faire mal en l'attaquant parce que c'est un boss. Et c'est parti pour le combat, c'est l'heure du duel. Alors je suppose que ça ne peut finir que d'une façon. Attention, Rook, ici de quoi sont capables ces beaux girls? Le marais consomme, on ne fait qu'alimenter. Ok, allez, j'ai gagné celle-là, attaque deux fois avec cette carte. Parce que j'ai dû gagner la négociation tout à l'heure. Yes! Ouh, il a 110, par contre, il est tout seul. Alors, grand prêtre Griffin a 3 de puissance bonus quand il y a des tiges oculaires vivantes. Ok, il aime bien les tentacules avec des yeux. Les joueurs piochent une carte en plus par tour. Le joueur pioche une carte de puissance. Grand prêtre Griffin a 20 de vie bonus. Ok, d'accord. La première fois que Golafan subit des dégâts, à chaque tour, lui fait gagner 2 de défense. C'est un... D'accord, ok. Alors, il va m'attaquer. Alors, du coup, on va se mettre un petit peu de shield parce que c'est gratos. J'ai 17. Bon, il va pas faire bibi. Hein. J'avais déjà du shield, je suis comme un con. Alors, je peux faire venir des partisans, en fait. Et on va... Oh, j'ai envie de faire venir le lance-roquette, mais il faut que je change un petit peu avec vous. Je vais pas mettre que le mec orange de la quête, même si j'aime bien. On va lui mettre lui, là, avec sa hache. Avec ma hache, comme dirait un certain nain. Et il est pas là? Ah si, il est là. Ouf, je l'ai pas mis aussi. Oh, mais c'est pas lui! C'est pas lui qui était sur la carte, monsieur. Bon, bah d'accord. Au prochain tour, tire 2 cartes de plus. Allez! Ta gueule. Touche tous les ennemis, mais il n'y a qu'un ennemi, c'est un lance-roquette! Un fichier de dégâts appliqué étourdissement. Il va m'attaquer, il va pas faire de dégâts. Bon, on va utiliser ça. Ok. Ok. Ah oui, c'est vrai que mes objets maintenant ils sont utilisés 2 fois, je crois, c'est ça avec mon bonus. Attends, c'est où que c'est vu ça? La première carte d'objet que tu joues au combat est jouée 2 fois. Ah bah celle-là, du coup, elle a joué 2 fois. 2 cartes d'objet, ton paquet, ok. Alors, applique ciblé, poignée 10, applique 3 de saignement. Ah bah c'est les deux mêmes cartes là, d'accord. Bon, on va faire un saignement. Choisis deux. Ah, faut que je choisisse 2 cartes, d'accord. Celles-là elles sont gratos. Voilà, hein. On va le cibler quand même s'il est tout seul. Et du saignement. Voilà. Hop là. Ah, il a mis des machins dégueulasses. Oh putain. Ah ouais, il est malin, c'est pour ça, il veut les détruire pour après qu'on ça nous explose à la gueule. Ok, d'accord. Bon là il va m'attaquer moi. C'est bien, il attaque pas trop mon Octoking. Affiche 2 de bonus de dégâts pour chaque surcharge. J'ai qu'une surcharge pour le moment. Appelle Kalandra pour attaquer les ennemis. Ah, mais par contre, elle va être détruite. Bon, attends, oh, appelle Kalandra, vas-y. Avec sa grenade. Grenade. Voilà. Alors, voyons voir. Gagne 1 d'action. Allez, hop. Du coup. Ouf. Attaque 2 fois. Tac. Dans tes couilles, dans tes couilles. Dans ton tibia. Oui, ton tibia. Là, on va appeler le robot. Vas-y, le robot. Où est-ce que tu. Avec sa grosse épée. Ouh, il fait mal le robot. Alors, s'il a 6 à brûlure, mais il a pas brûlure. Hein. Et je peux pas lui donner brûlure. C'est dommage. Est-ce que je peux soigner. Ah oui, je peux soigner Kradingue. Octokien, pardon. Kradingue me manque beaucoup. Vous l'aurez remarqué. Hein.
est-ce que ça vaut le coup après? Je vais peut-être utiliser si vraiment Kranag est mal. Parce que moi, niveau vie, ça va en fait. Vu que. Bon, allez. Hop là. Fiche de bonus dégâts pour chaque surcharge. Allez, hop là. Voilà. Voilà. Oh là là, on est en train de lui faire très 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 mal. Voilà. Et c'est bon. Ah, il a fait venir des machins. Ah, dégueulasse. Ah, c'est des gros yeux. On dirait les gros yeux dans. C'est pas Futurama? Merde, non, je sais plus. Ça fait penser quelque chose, ces gros yeux là. Dans cette case attirée, gagne un dérobade. Ah oui, je peux pas l'utiliser, je suis bon. Alors, est-ce que je peux l'étourdir par contre? Alors là, on va l'utiliser ciblé sur lui pour pas que Kranag il attaque quelqu'un d'autre. Bah, il a toujours ciblé, mais on va le remettre deux fois, voilà. Gagne deux de charge et une défense. Applique deux de brûlure. Voilà. Si la cible à brûlure gagne 1 d'action. Voilà, j'en gagne 3 du coup. Ça a détruit en plus à côté. Oh, il lui reste que 10 de vie. Tac tac. En vrai, voilà. Et il lui reste 1. J'ai pas envie d'utiliser cette. J'ai pas d'autre truc d'attaque. Ouais, utiliser 2 de charge et 1 de défense. Pour utiliser la carte. Oh bah je peux appeler les partisans après. Hein. Et on va utiliser lui qu'on l'a pas encore utilisé lui. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur dans des papiers à la gueule? Et il a un défaut. Défaut, la prochaine attaque sur ce combattant affichera le double dégâts de dégâts et supprimera un défaut, d'accord. Ah ça supprime un, d'accord. Bon vas-y. Bah genre je peux le finir mais en fait j'ai pas envie d'utiliser cet objet. Ce sera la dernière fois que j'utilise. Après j'ai beaucoup d'objets, vous allez me dire. Ouais Snake, tu vas regagner des objets, vas-y utilise-le. Ouais allez vas-y, allez, on le dit. Bah ça a pas marché? J'ai pas compris, pourquoi ça marche pas? Bah j'ai pas compris. Faut détruire lui avant de détruire. J'ai pas compris. Ah oui, le pouvoir du marais maintient ce combattant en vie, impossible à tuer. D'accord. Mais comment je fais pour lui retirer le pouvoir du marais? Je comprends pas. Oh! Oh ouais, d'accord, il s'est fait bouffer. Mais d'accord, il a fait Moby Dick, il a fait. D'accord, il a fait la baleine dans. Il a fait la baleine dans Pinocchio. D'accord, ok. Non mais monsieur, faut pas aller dedans. On applique ricochet, vas-y, c'est gratos. Applique 2 de brûlure. Ok. C'est un peu triché quand même, non? On va encore appeler des copains. On va prendre le lance-roquette, hein, je pense, cette fois-ci. Hein, parce que. Voilà. Voilà. Ouf. Ouf. Voilà. Bon, ça a disparu. Oh bah non, mais je dis ça, il est énorme. Oh là là, oui, ça va être compliqué ce combat, j'ai l'impression. Ok. D'accord. Bon, appliquette de défense. Personne n'attaque mon octochien. Affiche 2 dégâts de bonus et un handicap. Si c'est vide, mais c'est pas vide. Du coup, applique 2 de brûlure. Encore, vas-y. Invoque un octochien sauvage. Oh oui, équipe complète, pareil, parce qu'il m'a fait apparaître ça. Ah, bien joué. Du coup. Voilà, hop. Bon, j'ai pas vide, ça me saoule, mais bon.
Hop là, et j'ai mon truc. Que je vais peut-être utiliser tout de suite en fait. Ah, il en manque un. On va faire venir lui, hein. Touche tous les ennemis, allez hop, vas-y. Ah, il contre-attaque. Oh d'accord, il y a une contre-attaque. Ah oui, mais là j'avais pas vu ça. Ah oui, d'accord, j'ai fait une connerie en fait. Oula. Ah oui, c'est le boss de chez boss quoi. Hein. Ah, il y en a un qui a disparu. Je peux mettre un octoquien si j'ai renouveau la carte. D'accord, lui il est censé être mon copain. Hein. D'accord, ok. Parce que s'il le faut exploser, ça me fait mal. Ok. Alors, gagne un d'action déjà. Cher combat. J'ai un maximum de dégâts. Attaque 3 fois avec cette carte. Bah vas-y. On va faire ça. Hein. Cible un ennemi au hasard, tire 4 fois. Vas-y. Hein. Yes, j'en ai détruit en moins. Comme ça, au moins, ça s'est fait. Invoque un Octochet qui se battra pour toi jusqu'à la fin de ce combat. Eh bah vas-y. Eh hey, en plus, hop là. Oh non, il a bougé, lol. Marrant. C'est rigolo. Ah, ça, là il va le détruire lui par contre. Et ça va exploser à ma gueule. Ça va faire 22 de dégâts. Ah oui. Ah. Alors attends, on utilise ça. On va le protéger un peu, même si je sais pas si ça sert à grand chose. Applique 2 de marque. Gagne 2 de charge. Gagne 2 de confrontation. La musique est. Ouh là là, elle est tellement épique, elle me fait un peu stresser. Dépense 1 charge, applique 1 handicap. On va peut-être appliquer un handicap en fait. On gagne 2 charges. On va gagner 2 charges. Parce que j'ai une. Là, charge complète, enfin, j'ai mis 2 dégâts. Comme ça. Voilà. Comme ça, elle fait 15. Elle fait très très mal. Bon, on va rappeler le robot. Allez, le robot, attaque! Voilà. Oh là là. Oui! Ouf, j'ai bien fait de le protéger. Oh là là, par contre, là, il va faire 4. Il va... Ah, il va attaquer l'octo. Mon octo. Non, c'est lequel le mien? C'est celui-là. Oui, c'est celui-là qui a 13 de vie, faut que je me rappelle. D'accord. Bon, ça va, si t'attaques lui, c'est celui-là que je l'ai pas. Toutes les attaques ont perçage. Bon, après, perçage, c'est pas un robot, ça c'est pas vraiment utile, mais il a pas de. Il a pas de... Ah, je peux peut-être détruire lui en fait. Si je lui mets, je mets perçage. Alors attendez, on rajoute une d'action. Voilà. Il fait 9 de dégâts mon octoquien. Ah bah tiens. Hop. Et comme ça l'octoquien il le finit parce qu'il va faire 9 de dégâts. Normalement ça va exploser et détruire que lui. Si j'ai bien compris, parce que là ça dit quand détruite inflige 27 de dégâts à tous les combattants du même équipe. Alors normalement c'est son équipe à lui. Normalement je peux pas étourdir. Je peux appliquer 2 brûlures déjà. Bah applique ricochet aussi. J'aurais dû faire ça le ricochet avant. Ah ça a détruit. Yes, victoire. Oh, c'est. What? Mais il avait encore beaucoup de vie. J'ai pas compris. Le replay, s'il vous plaît. Moi, je pensais qu'il avait encore. Ça allait exploser le machin. Mais il avait encore assez de vie. Ah, j'ai détruit complètement. Oh, je suis. Ça m'a surpris. Parce que je pensais qu'il avait encore de la vie. Qu'après, il allait ramener encore d'autres tentacules. Il faut. Ah, bah, j'ai plutôt bien joué. Même si je sais pas vraiment comment j'ai joué, mais j'ai plutôt bien joué. Dites-le dans les commentaires si vous avez compris quelque chose, moi j'ai rien compris. Le marais ou ce que ça pouvait bien être coule lentement dans la terre. C'est fait. Absolument. Absolument. Oh, absolument. Oui. J'ai un peu fait italien, mais bon. Calandra retourne examiner le secteur, il y a du travail à faire et tu as seulement commencé. Elle ne remarque pas l'étrange appareil qui sort de la boue. Prendre l'appareil. Mutateur débloqué. Tu as débloqué des mutateurs de jouabilité pour tous les modes de jeu. Tu peux personnaliser ton expérience Griffland. D'accord. Rook la bagarre débloquée. Tu as débloqué un nouveau mode de jeu pour Rook. Concentre-toi sur les cartes et teste de nouvelles stratégies en mode bagarre la prochaine fois que tu lances une partie. D'accord. C'est fini avec Rook. D'accord.
C'est fait. Le boulot, la couverture, la trahison, tout ce qu'il allait, il fallait faire, faire. Ce que tu as fait toujours. Mais maintenant, tes secrets sont exposés et il est temps que tu partes. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tout ce que tu fais, fais toujours. Oh d'accord. Il est rare que tu laisses autant de traces derrière toi, mais il y a quelque chose dans ce boulot qui t'a fait tirer un peu trop sur la corde. Tu te souviens peut-être de la personne que tu étais, du genre de travail auquel tu croyais. Prindo Kalandra a eu sa révolution et tu sais que tu en percevras les conséquences dans tout Avaria, voire jusqu'à Deltri ou Rantoria. Une partie de toi regrette de ne pas y être pour voir ce qui se passera ensuite, mais tu sais que tu entendras parler de ce qu'elle accomplira. Après tout, ça fait partie du plan. D'accord. Bah content pour Kalandra, mais elle est obligée de brûler les papiers. C'est pas bon pour la nature tout ça. Ah, Felemo ! Léline Felemo a disparu aussi vite que tu es arrivé. Mais pas avant de vider ses coffres dans le complexe des barons. La liste de ce qu'il a emporté est un document très recherché au marché noir. Quant à savoir où il se trouve maintenant, personne ne le sait, même pas toi. Et il doit nous en vouloir à mort. L'unique instant où tu peux t'accorder une courte introspection est lors d'un bref arrêt à la cache pour rendre un dernier rapport et te faire virer. Avaria est une machine complexe et ses rouages ne tournent pas tout seuls. Et nous avons fini avec l'histoire de Rook. Oh, ça finit bizarrement, mais Rook est en vie, il est parti, il est tranquille. Alors, gagne Rook. Alors, 4 sur 4 jours, ok. J'ai gagné des points, magnifique. Ok. Nouvel article ajouté à l'ensemble. Parieur est fixé. D'accord, ok. Ok, d'accord. Ok, on a gagné pas mal de trucs. Oh là 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 là. Encore, ok, nouvel article, ok. Un saboteur, une... Ah, j'ai gagné la tenue de ce saboteur. Yes. Regardez le display de saboteur que j'ai fait, voilà, sur PlayStation 3. J'ai fait un display dessus, franchement, super sympa. Fait l'autopub. Oh, la jauge qui... Attends, je voudrais regarder juste ça, moi. Ok, on gagne plein de trucs, hein. Je vous laisse faire pause pour regarder, je vais pas tout lire, parce que ça sert à... C'est bon, on a fini le jeu. Applique trop de sang-froid, prépare. Oh là là. Ah! Et tenue ombre! Oh, elle est un peu la même que The Saboteur, je trouve. Un peu la même couleur en tout cas. C'est un peu dommage. Oh, applique 2 de brûlure. Oh là là. Et c'est tout. D'accord. Oh putain. Ah oui, tu vois ce que tu peux gagner quoi. Alors, combat gagné 20. Négociation gagnée 20. Ah, j'ai fait plus de négociation que de combat. Après, ouais, c'était un. Ouais, j'étais un peu de gentil. Un plan installé 8 sur 10. Et aimé 8 personnes. Ok. Argent a gagné 1947 shields. Érudition améliorée 30 cartes. A accompli 8 travaux. Ah, j'aurais bien voulu faire 12 pour faire les 12 travaux d'Hercule. Ou d'Héraclès. Tous les victoires, toujours en vie. Je suis pas mort une seule fois, j'ai eu de la chance. Après, j'étais en facile. Et bien voilà, c'était la fin de l'histoire avec Rourke. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Alors je vais pas quitter tout de suite parce que je vais faire le défi quotidien. J'avais déjà fait avec Sal en off. C'est des trucs en fait où on enchaîne des négociations ou des combats. C'est des négos là. C'est des négociations. Et c'est plutôt intéressant, ça gagne des points. On gagne des points pour votre personnage pour plus tard. Et puis voilà, on va faire ça. Mais ceux qui veulent pas regarder, ce qui pourrait pas être intéressant, parce que là c'est pas de l'histoire, je le comprendrai. En tout cas, pour ceux qui s'en vont, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Un pouce bleu ou blanc, comme vous voulez. Appuyez sur la cloche pour les prochains épisodes. La prochaine fois, on va s'attaquer avec le personnage de Smith, l'autre personnage qu'on a débloqué. Voilà, en tout cas j'espère que cette histoire avec Rook vous a plu. En tout cas j'ai pas trop fait de merde, je trouve. Vous me direz dans les commentaires, mais je trouve que j'ai pas fait trop de merde. Voilà, et nous on va continuer avec le défi quotidien avec Rook.